aquarium dans le cabas. Ah, ça tue les drogués. Moi, j'ouvre ma vitre, hein. Ok, je tire par là-bas. Mais donnez-moi ça, là. Putain, je suis en train de conduire avec ces ânes, là. Bah, ouvre la fenêtre, Cornac. Tenez, colonel, je veux. Je la place par la fenêtre. Ah, putain, elle est bonne. Ouais. Arrête le camion, s'il te plaît. Il veut faire pipi, je crois. Arrêtez le camion, colonel, pour arrêter le véhicule. Oh, attends, elle est bonne, là. J'avais vous dit, colonel. Ouais, jette-moi ce joint, là. Colonel, il y a un ami qui veut sortir, putain, mais... Arrêtez le camion, là, il va vomir. Soldat, arrêtez le camion. Mais chez lui, il va me chier dessus, là, putain. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Soldat, arrêtez le camion. Il est tombé, ce mec. Il est complètement sourd. C'est quoi ce conducteur de merde? Position défensive, autour du camion. Putain, mais c'est quoi ces colonels? Ils donnent même pas les ordres. Putain, avec la main. Mais putain, je rentre de vacances. Mais regarde-le, putain, il me bouffe. Arrêtez de tirer sur les mécaniques, putain, vous avez des silencieux, bande de tanches. Rendez-moi. C'est vrai, ça. C'est qui, soldat, pour me parler comme ça, toi? C'est qui me parle comme ça? C'est qui, une canne de tanche, là? Bon alors, citoyen, quel est ton nom? C'est Loupine, monsieur. Ne balance pas. Non, c'est le neuf, c'est le neuf. Pas vrai, mais pas moi. Tous. Quoi ton nom alors? C'est Antoine Messonnier. Et on suit les consignes. Le premier qui divulgue les ordres de mission, je mets ça dans la tête. Si tu crois que je sais ce qu'on va faire. Ah bon? Tu aimes le camembert? Et t'es tranquille, tu dois mettre le camembert, tu peux répondre dedans. Ouais, j'aime ça, oui. C'est super beau le camembert. Tu connais ta ferme de thé, tu as le côté, il fait du fromage de thé, tu le vattes. Pas de bonbon, tu as la tronche. Oui. Sinon, ta montre, elle est jolie. Ah oui, il y avait ma montre, elle est trouvée dans le supermarché. Mais super, elle a pas marché. Un peu cassée. En fait, je suis tombé, j'ai tombé en vélo l'autre jour et ça tombait ma montre. Ça marche plus. D'accord. Toi, t'as une montre? Pas de montre? Non, tu peux savoir, non, je peux savoir. J'ai passé d'argent, en fait, pas longtemps, tu sortais du lieutenant. Dis donc, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il a un gros fusil, hein. Ah, j'ai trouvé dans une... Un gros fusil, hein. On l'a trouvé dans un véhicule abandonné, au coin. Qu'est-ce qu'on fait? Soyez prudents, nous allons le traverser. Je crois qu'on a un voleur dans les véhicules, il vole des taux. Il y a du monde en face, je répète, il y a du monde en face. Oh, position de défense. Je peux vous aider. Position. Sortez. Attendez, pourquoi ça... N'importe quoi. Ah non, ça recule, on recule tranquille. Pense-moi les tangos. C'est où devant? Il est salaud. Mais les gars, couvrez-moi. Moi, j'y vais. Non, mais moi aussi, j'y vais. C'est bon, je suis major, merde. Je veux deux soldats avec le major. Tu m'as peur. Tu m'as tiré dessus. Attention. Restez derrière le camion. Nonneux, attention. Couche-toi, nonneux. Je peux vous aider. De peu, on t'arrache la gueule, connard. Je crois qu'il est mort. Je crois que je l'ai tué. C'est moi qui l'ai eu ou pas? Identifiez-le. Non, c'est moi. Il y en a deux qui sont morts, difficile à dire. Il y en a trois. Encore un? Non, c'est vous, ça.
Nono, t'es blessé, reviens par là. Couvrez le major et couvrez Nono. Oui, mais ouais. Il a coupé la tropique, on a fumé, il n'entend plus rien. Nono, reviens. Il y a une voiture juste à notre ouest, nord-ouest, il y a une voiture dans la forêt derrière nous. Ok, Zio, t'es bien. Messieurs, ça va être votre heure de gloire. J'ai peur, mon colonel. Moi, je suis un civil ou je suis pas un civil, du coup? Toi, c'est difficile de répondre. T'es un peu spécial, mais... T'es un civil. T'es notre agent de guerre. Donc, je compte des heures, mais c'est spécial. L'hélicoptère! Continuez la route. L'hélicoptère, faut tirer d'autres hélicoptères. Non, continuez. Le détente d'un hélicoptère. Un hélicoptère de combat. C'est les Russes. C'est les Russes. Accélérez. Faut qu'on les sème. Maintenant, mais c'est trop détente, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, j'ai peur. Allez, Cornac, puis au plancher. Chut. Laissez parler le colonel. Laissez en arrière, vous me dites s'il arrive. Allez, pied au plancher. Il arrive. Ouais, je suis à 77. C'est du 7-7, monsieur. Ça fait tirer dessus. Derrière nous. C'est le topor. Vous arrêtez pas, c'est une embuscade. Allô. Le TL, vous êtes des copains de l'autopar, vous? Je suis en train de mourir. La recoque touchée, vous soyez. Vous arrêtez. Gardez-vous sur le droit. Dans le bouton, là. Taisez-vous, vous blessez derrière. Faut pas s'arrêter. Position défense. On a un blessé derrière. Je veux deux soldats qui le soignent. Ah, il est en couverture. Le reste des hommes en couverture. Putain, qui a piqué tous les bandages? Moi je me couvre. Quelqu'un qui m'a piqué tous les bandages. Il est où le blessé? Blessé, il est où? Je vais faire une transfert rapidement parce que là je suis tapé. Restez sur vos gardes, soldats. Merci mon collègue. Je vais être partout, sur les flancs de la montagne et sur la plage. Allez, on va s'établir. Reste à couvert, les gars. Et non, le. Fais la volonté sur les menaces potentielles. Allez, je vais prendre la musique avant. Il y a quelque chose, mon colonel. Pas de menace, mais c'est super bon. Pas de prisonnier. C'est sur nous, là. Non, c'est non, le. D'accord. Plus haut, non, le. Tire plus haut, tu te rends. Dans le véhicule, là. C'est bon, il est soigné, encore. Mais c'est bon, colonel. Alors tout le monde dans le camion, prend la route. Par contre, on va nous conduire comme ça, parce que nous, on se prenait tout dans la gueule, derrière. Hein. Deux chiens, reviendront. Tire de couverture, non, mais tire de couverture. On viendra se manger, c'était les gars du couvert. Hélico, hélico, allez, montez vite. Allez, remonte, tonneur, remonte, t'es pas bien faire, on se casse. Non, pas monter le camion. Pas monter le camion. Allez, dépêchez-vous. Ah ouais. Allez, 20 points, la vache. 20 points. Non, non, non. Ah, putain. Il n'y a pas de parois. Il était le salaud. Oh, mon ami, c'est descendu. Oh, non, non. Oh, non. Oh, non. Venez, non, on est débarrassé. Cool. Faut aller l'aider. Médecin, go, go. Allez, médic. Sécurité. C'est terrible, sacré, de son corps. Reste à couvert, reste à couvert, les gars, ça marche. Il est décédé. Sauvez la colline, sauvez la plage, sauvez l'est, sauvez l'ouest, sauvez le nord, le sud. Je suis pas conscient. Je suis arrivé à son cul. Attends, occupez-vous de lui, prenez son coup. Je vous demande, soldat.
Oh putain, si elles sont claquent dans les pattes, putain, Kadyrov il va péter un plomb, alors vous me le remettez sur le cul. Ah bordel. Ouais, garde le prisonnier. Allez, faites-nous du massage cardiaque, la merde. Ah non, attendez, il y a Noneux, je vais attendre qu'il passe. Regardez, Noneux est vivant. Oui, mais je vous ai vu, c'est vous qui l'avez fait un massage cardiaque. Putain, et dire que je commence à l'enterrer. Oh là là, ça va pas là ce soir. Je peux la faire péter maintenant, colonel. Mais non, tu vas tuer Noneux. Bah oui, c'est... Ah pardon. Oui, mais ça aurait pu être un accident, vous comprenez. Proche, voiture en approche. Position de défense, elle est jaune. C'est une petite voiture de civil. Quelle direction, on l'arrête. Direction, monsieur. Ah, putain, mais j'adore les mecs qui donnent les directions comme ça, ça s'en éclate. Depuis le barrage, arrêtez-vous. Arrête-toi, mon véhicule, là. Mais il est con, lui. Ah. Mais il tire des... Il vient de tirer des... Il nous tire des gros butés dans la tête, mais pas... Et encore un peu plus. On est longtemps! Au secours! Putain, russe! À terre, les civils, à terre! Attention, les espions! Touchez-vous! Ah. Il est abattu! Cessez le feu! Pardon, oui, major. Bon, on reprend! Fouillez-les-moi! C'est quoi ce Glock 17 là? C'est mon arme. Hop là, confisqué. Bah tu la poses. C'est bon, le CIS, tu remontes. Ah, vous avez une arme. Mais il n'a pas le talent de FNFAL lui, il n'a pas le talent de FNFAL. Toi tu remontes aussi là, le premier là. Allez hop. Et le mec là, il a du talent de FNFAL sur lui. Il est le troisième là. Et il en manque un, les mecs. Oui, là, avec ta capote. Les mecs, oui, il en manque un. Détends la capote. Eh, l'homme à la capote, tu détends. Il en manque un, les mecs. Oui. Ah, il en manque un. Elle est où? Eh bien. Eh, mais tire pas dessus. Surveillez-le. Il en manque un, il y en a un qui s'enfuit. Enfin. Y'en a un qui s'est enfui, c'est ça, hein? Mais ils étaient pas deux, ils sont deux là. Y'en avait un troisième. Ils étaient trois, non? Non, on avait que. C'est hier, sur les premiers, il y avait le KTV. Eh oui, ils étaient trois. Oui, le KTV. De Béro. Putain, y'a un employé qui tire à toi, tu bouges pas avec ta capote. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Attention, l'hélicoptère! L'arme! Poste une arme dessus! Je l'ai retrouvé, le fugitif! Attends, monsieur le colonel! Débarrasse-toi de ton arme, mets-la dans l'inventaire du camion! Toutes les personnes. Reste à l'intérieur et mets ton arme. Toutes les personnes qui seront maintenant armées, on les abattra. Armées à l'extérieur, bien au mieux. Clair. C'est une jambe cassée, au mieux. Non, ça c'est pas. Messieurs, le prochain camion. Tiens, le mec avec la chemise blanche. Le mec avec la chemise blanche, tu détends le mec avec la chemise blanche. Le dernier qui est monté là. C'est pas la chemise blanche. 1, 2, 3. La chemise noire. Le dernier qui est monté, c'est ça. Chemise noire, t'as un KTV. Non, c'est pas lui. Non, toi tu remontes. Non, chemise blanche. Toi tu remontes. L'autre civil. Chemise blanche, tu descends. Voilà, toi là. Voilà. À terre. Allez. À terre. Allez, fouillons-le. Regardez-moi ça, il a une M240 mal, sur lui là. Attendez, je m'en occupe si vous voulez. Mais non, on va pas le buter. T'avais une arme sur toi pendant 30 secondes. Tu bouges pas pendant 30 secondes. Les gars, on devrait partir. Tu bouges pas. Oh putain, si jamais on secondes. Doit courir, on t'abat. Avec les munitions pendant 30 secondes. Allez, montez dans le camion. Ne bouge pas. Dépêche.
Eh, lâche ton arme! Lâche ton arme, enfoiré! Il me tire dessus! Gardez-vous! Là sur la tête. Monsieur? Comment ça se fait que vous apparaissez au milieu d'une zone de combat là? Excusez-moi, monsieur, je peux baisser les mains, j'ai un petit peu de sang qui me coule le long des doigts. Baisse les doigts. Allez, vas-y. Bah, vas-y, zi. Pas de mouvement, merci. Mets les mains sur la tête, tu vois, je t'ai dit. D'accord, d'accord, attendez. Voilà, c'est mieux que ça. J'étais venu pour soigner quelqu'un. Mets sur la tête, toi. C'est yes. On vient de me dire que les baisser. Montez dans le camion. Ah, mais non, il n'y a plus de camion. Non. Les mecs, ils restent tous les mains sur la tête. Elle se déchire, attendez deux minutes, je vais le faire, Ok. Vous êtes venu nous attaquer, c'est ça? À la base, on est venu vous aider, mais on a eu un petit contretemps. On les interrogera plus tard. Vous êtes venu nous aider, Faites-les monter dans les véhicules. Oui, c'est ça, le problème. D'accord, vous depuis Bérésino, messieurs. Ah oui, c'est avec nous depuis Bérésino. Toi, t'es énervé. C'était moi, l'UAZ. Ils sont pas les fameux. Mon bel UAZ. Mal aux épaules là. J'ai mal au bras, j'arrive pas à lever les bras. J'ai très mal au bras, monsieur. Ouais. Aïe. Ouais. Non. J'ai que me gratter la couille gauche. S'il vous plaît. Ok. Alors messieurs, vous allez me suivre et vous allez monter dans les véhicules. Pas de bêtises, d'accord? Mais monsieur, j'ai des problèmes, je suis bon. Vous me séparez les deux gars du topor. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu parles beaucoup, j'ai des problèmes en plus. J'ai plus beaucoup de tension. Je suis officier du topor, je suis docteur. Vous me les séparez. Monte avec nous, mettez-lui les menottes les gars. Allez, un gros qui soldat. C'est quoi le problème? Accroupis, c'est le topor. Allez, vas-y, accroupis-toi tout de suite. Allez, mets-lui les menottes. J'aurais besoin d'un peu de sang, s'il vous plaît. Ouais, t'auras pas de sang, t'auras rien du tout. Tes potes, ils viennent nous allumer avec une petite voiture de merde. Je crois qu'on va te donner du sang en plus. Ouais, c'est vrai ça. Ah, mais. J'ai reçu un message radio. Ouais, c'est bien. T'as reçu un message, c'est bien, c'est génial. Comment ça, docteur Igor, vous attaquez? Montez dans le véhicule, on fait confiance à vous. On venait vous aider, messieurs. On a eu un problème technique. Allez, tu montes dans le véhicule. Dépêche-toi avant qu'on change d'avis là. Je veux plus entendre ta voix. Bon, toi, t'es qui? T'as décliné ton identité. Moi, je suis Lord Incarné. Je suis Monsieur White. Monsieur White, tu vas te suivre. Monsieur White. Eh ben, écoutez, c'est le topor. Alors, bon, bah, menotte aussi, accroupis. Igor, tu la fermes. Oui, Monsieur White. Ne menotte pas l'ordre. Dernier avertissement avant que je te plante. Monsieur White. Dernier avertissement avant que je te plante. Accroupis, je te dis, c'est moi qui te raccroupis. Monte dans le véhicule. On ne menottera pas l'ordre. Tenez fort, Monsieur White. Monte dans le véhicule, je te mets une balle. Ta gueule, remonte toi. Remonte dans le véhicule. Je peux les mettre avec ma grosse arme si tu veux. C'est un hélicoptère. Oh. Ah, il est avec nous. C'est les alliés. J'ai vu une personne là. Monte dans le véhicule toi. Ouais, d'accord. Tu te couches devant l'hélicoptère parce que je ne suis pas devant lui. Si vous sortez du véhicule, je vous abats sur place. Accroupis, voilà. Allez, donne-moi tes mains. Voilà, accroupis-toi devant le mec. Allez, maintenant tu rentres dans la vie là-bas de l'autre côté du camion brûlé. Allez, avance. Mais nous sommes chez le quatrième. Silence. Ne sortez pas du véhicule. Un de mes subordonnés va arriver, il a quelque chose pour vous. Ok, ça marche.
Les personnes qui veulent parler à un responsable rentrent dans le hangar rouge. Ah, très bien. Qui c'est ce truc là? Bonsoir monsieur. Colonel Nomak. Est-ce qu'on peut manger le Nomak ou me la tenir? J'ai envie de pisser. Soldat Cornac. Vous êtes, c'est un de vos hommes ça, monsieur, monsieur DK-TV? Pardon, c'est une attitude chaotique. C'est un de vos hommes ça en face avec son foulard là? Nous sommes civilisés quand même. Effectivement. Diego? Ouais. Ah, et c'est lui, il est pas très docker. On est en période chaotique. D'accord. Je peux pas signaler. Vous êtes déjà, j'ai pas retenu votre nom. Ça me rend malade. Peter van der Brug. D'accord, ok. Ça va être difficile de marchander. Parce que comme vous le savez, monsieur Peter van der Brug, je me permets de vous prendre la parole, hein, mon colonel. Vous avez expliqué, il semble bien que vous soyez le chef. Comme vous pouvez, vous avez abattu un membre de l'OPI, il y a maintenant deux semaines, ainsi qu'un membre du REC. Du coup, nous allons devoir nous emmener avec nous pour être jugés devant Kadyrov et une assemblée de Kadyrov, et l'assemblée Kadyrov de votre sort. J'espère que vous prenez votre munition. Jamais tué un membre du REC, je ne me souviens pas avoir été tué un membre du REC. Le membre de l'ONU. Et le mec, vous avouez donc un double meurtre. Très bien. Il est descendu. Non, je l'ai pas, parce que je n'ai pas tué le membre du REC. Il s'est couché dessous. Ouais, vous avouez le meurtre d'un membre de l'ONU, là, à l'instant. J'avoue avoir tué un membre de l'ONU. Moi, je trouvais ça rigolo, mais j'étais pas content. Je vais vous demander de vous accroupir, de vous mettre dos à moi, pour que je vous menotte. Oui, mais en attendant cette histoire-là. En attendant, je suis quand même. Vous n'êtes plus rien. Monsieur Diego, c'est bien ça votre nom. Vous êtes des Catayez. Oui, je suis dans un carnet. Très bien, j'ai 200 gold pour vous, vu la prise de monsieur Van der Brug. Où est-ce que je peux déposer les briefcases? Monsieur Van der Brug, veuillez me suivre. Mettez ça dans mon sol, j'ai regardé si j'ai. Soldat Cornac. Mon colonel, je demande à pouvoir présent. On va voir mon colonel. Cornac, le Topor nous a bien attaqué, pris en embuscade il y a moins d'une heure. Ah, tu me reconnais pas? Tout à fait. À qui tu t'attaques? Au niveau de jambes, lui attaqué avec un petit véhicule vert et a écrasé trois membres du REC. Nous avons bien des vidéos en plus. Attendez. J'exige de parler. T'es ici? Oui, j'ai des preuves. Nous avons retrouvé ses papiers. Dont deux de ses collègues. Jeff Carter et l'autre, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai papier. Très bien. Monsieur, vous voulez jouer la carte du hasard, monsieur White? Alors très bien, je vais la jouer aussi. Écoutez, bande de truffions, taisez-vous, ça va être rigolo. Je te laisse ton sort à la direction de Noneux. Si Noneux décide de te laisser vivre, tu vivras. Sinon, c'est Noneux qui choisit. C'est qui Noneux? Je crois qu'il a déjà choisi. Alors, mon petit lapin vient du Tagrin et ne t'occupe plus dans ton petit jardin. Monsieur Van der Brug, vous êtes condamné à 3 heures de travail dans l'entreprise Brecomilos. Si jamais vous ne faites pas 16 heures de travail, nous aurons des preuves. Nous vous abattrons et nous vous chercherons et nous vous rabattrons. Compris, monsieur? Non, vous rabattrons. Père, soldat, formez-vous devant cet prisonnier, s'il vous plaît. Le colonel, parle. Colonel, je vous écoute. Formez une ligne. Il faudrait que vous écoutiez votre neveu, monsieur. Citoyen, debout. Il faut que de mettre une mine. Vous mettre une mine devant lui? Non. T'arrêtes pas de me dire, personne! Citoyen debout! On
Mon colonel. Il vous écoute pas, colonel. Ici. C'est bon. C'est ici, monsieur. Monsieur Salamenko. Ah, très bien. Arrête de nous faire les poches, là. Attendez, monsieur Salamenko, hop. Silence, l'un dans les rangs. Bon, pouvoir, passe à monsieur Salamenko. Tous au garde à vous, là. C'est monsieur Salamenko. Monsieur Salamenko. Pardon. Tonton. Au revoir, monsieur Salamenko. Maman, tonton. Alors, mon neveu. Vous allez assister à un jugement, justement. Ouais, mais le monsieur là, qui est là-bas, il est où, le monsieur qui est là-bas? Lui, il est où? Il s'est enfui. Il s'est enfui. Cherchez partout. Il est sorti le nat. Où est-ce qu'il est? Appel tactique à l'hélicoptère. Une personne s'est échappée. Appel tactique. Balayage. Vous devez trouver la personne qui s'est échappée. Je contacte l'hélicoptère. Il est pas là, non? Tonton, avec demi-space. Non, c'est pas là. Il est rentré dans le hangar. À tous les coups. Il doit être dans le hangar. Fouillez partout. Faut fouiller le hangar. Une bande de vainqueurs. Je veux pas une opération ratée devant monsieur Salamenko. On a pas d'informations. Messieurs, vous risquez votre solde si vous le perdez. Une personne s'est sauvée. Appel tactique hélicoptère. Appel tactique hélicoptère. C'est pas mal, Jeff. Les projets, les KTV. Les projets. Où est ce salaud? On va te trouver, de toute façon. Et vous êtes qui, vous? Vous l'avez laissé partir. Qui était l'individu? Ah! Mais c'est lui là, il est par terre, non? C'est l'individu. C'est lui là. Il est là. C'est lui, il est revenu, monsieur DS. T'étais où, toi, raclure? Alors, tu es passé où? Je sais pas, c'était tout noir. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des plein de choses noires. Parle! Au secours! Décline identité. J'ai vu la mort. Hey. Parle à monsieur Salamenko. Décline identité. Je m'appelle Eddie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es de quelle nationalité? Je suis français. Français, tour Eiffel, jolie fille, femme encore. Attention, monsieur Salamenko, il est malade. Tu sais, je suis à moitié français, moi aussi. Ma femme était française. Quelles sont les charges? Meurtre froid contre un membre du REC, monsieur. J'ai tué personne, moi. Il a voulu tuer le REC? Oui. Non, j'ai tué personne. Vous allez bien? C'est faux. Alors, qui complice? Parle! J'ai pas qui compris! J'étais avec Kamirov, un ami à moi, on était. Kamirov? Toi, ami Kadyrov? Parle! Kamirov! C'est l'ami de Kadyrov, mais. Quoi, t'es pas l'ami de Kadyrov? Non, Kadyrov, Kamirov! On vous a rencontré et vous... C'est ça que tu veux, hein? Bonne position. Garde ta petite, qui t'envoie? À côté de Pérezino. Qui t'envoie? Personne m'envoie, nous étions... On était que deux. Bah non, t'es malade, Nonneux? La colonie, ils sont plus que deux, tu dis n'importe quoi. On était que deux. Parle ou tu vas prendre l'âge dans la gueule. Tu dis n'importe quoi. La colonie, ils sont plus que deux. Malade. Mais on est... Ils étaient tous partis, on était que deux. Et pourquoi vous avez pris cette décision, alors? On est parti aller voir les membres du Topor. Pourquoi tu avec un Toyota? On s'est tué personne. Mon cul, c'était une embuscade. Pourquoi la colonie a attaqué au barrage?
On n'a pas attaqué personne au barrage. Parle. C'est un menteur. Ils vont pas attaquer personne. Vous avez attaqué tout le monde, ça. Viens avec moi. Monsieur DS, on fait quoi du mec? On n'a attaqué personne. Attendez, on va parler avec un attaqué personne. J'ai tué personne, moi. Silence. Mais j'étais juste une victime. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Il a fait du mal, lui. Eh ben, le moteur, il a voulu me tirer de tuer avec moi et mes copains. Et je crois qu'il a blessé un copain. Il n'est pas très gentil, mais attends, je vais lui poser des questions, moi. Attends. T'as direct correct avec le monsieur. Et toi, là? Est-ce que t'aimes les animaux? Oui. Est-ce que tu manges les animaux? Dis non, c'est mon neveu, ouais, dis non. Tu manges des animaux? Pourquoi? Non, la formation est de première nécessité. Qui détient le docteur Kaiser? La société. Oh. D'où tient de cette information? C'est eux. Réponds, parle. Cours, l'ami, cours maintenant. Dépêche-toi. Attends. Cours et passe ton message. Cours. On voit la cabane, il y a des clients. Ah, tranquille. RS ici, mon colonel. Faut absolument qu'on trouve le docteur Kaiser. T'as vu les dépenses qu'on fait à cause d'eux? Attends, on sera arrivé. Attendez, messieurs, on vient de vous ramener une mallette de 200 codes. Vous êtes pas sérieux, ouais, hein? C'était une bonne vue, on les a rencontrés. On trouve un petit peu avare, hein? On a donné à Diego. Je ne l'ai pas vu, hein. Ah, Diego, ferme sa gueule, mais c'est la garde pour lui, le con. Il doit parier. Allez, Diego, on va prendre. Tu vas cacher des signes à la ville. Diego, c'est un affaire. Je crois qu'il y a de la dissension chez les Kataïev. Soldat! Soldat Rokoff au rapport, mon amour. Mon colonel, j'ai vu qu'un soldat. Encore, il faut mettre le plein. Putain. Ça fait direct le mazout. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le d'ailleurs? Eh, je suis pas complice, là. Je crois qu'on a une affaire à résoudre, messieurs. Dès qu'on nous voit notre argent, Vous entendez? Ah, il était bombardé, il devrait revenir. Hein. Il décrit, il n'est pas trop léger. Pétez-lui les roues. Ok, très bien, attrapons-le. Il revient, je lui crève le pneu. Arrête ton véhicule. Attention, il est peut-être dangereux. Pose tes armes. Pose tes armes, Diego. Il attend pas bien ou quoi? Non mais dis donc. Je sais pas, il est sous l'effet de trucs pas très bien là. Vas-y, donne-moi ça. Soldat, laissez les Kataïev gérer. Soldat, Rokoff, rapport, mon colonel, j'ai arrêté le suspect. Très bien. Allez-y, attention, camarade. Vous embêtez pas, on s'en occupe. Merci beaucoup, messieurs. Bon courage à vous. Merci à vous, bonne soirée. Mais attention, toi, ne fuis plus, sinon c'est le REC qui t'attrape.